Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je suis en train de finaliser mon téléphone ici. L'ennemi ne va pas s'amuser, il va essayer de te déstabiliser. Alors, ce sera à toi d'être très sage. Oui, ah, c'est bon. Donc pour ceux qui nous suivent, on jeûne depuis le matin. Donc à ce jeûne, on a ajouté des prières qu'on a commencées le matin. Donc si vous venez d'arriver, si vous venez de vous connecter, soyez les bienvenus. Daningasa, je vais te bloquer. Attends, je vais te bloquer. Voilà, je demande la présence du Saint-Esprit. Que tout blocage dont vous avez été victime puisse être dissipé. Et demande le discernement, que le Seigneur vous montre exactement ce qu'il vous a créé pour faire. Qu'il vous montre pourquoi il vous a créé. Et que vous puissiez trouver votre chemin. Pendant ce moment que nous allons partager, que la grâce vous soit donnée pour voir le vrai visage des personnes qui veulent vous bloquer. Seigneur, je m'accorde avec les personnes qui ont jeûné aujourd'hui. Et je déclare, Papa Yahweh, que toute arme qui a été forgée pour les bloquer est sans effet. Toute personne qui s'est levée, peu importe le temps, c'était il y a 5 ans, 10 ans, pour parler contre votre vie. Nous annulons les verdicts, les paroles qui ont été dites contre vous au nom puissant de Jésus. Tout endroit où vous êtes parti, dans le rêve, il y a beaucoup de personnes ici là qu'on vous attache dans le rêve. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne. Mais tu te retrouves toujours en train de tourner. Tout labyrinthe spirituel dans lequel tu te retrouves dans le rêve, je te sors de là au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je déclare sur vous la santé mentale. Je déclare la santé mentale au nom puissant de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous avez un appel qui est grand et vous ne, c'est un peu comme si vous ne réalisez même pas ce que vous êtes appelé à faire. J'ouvre vos portes pendant que vous m'écoutez. Je suis au Burkina. Je vous ai dit que je venais au Burkina. Je suis au Burkina. Donc, les Togolais, préparez-vous. Un jour, vous allez me voir. Il y a des choses que vous ne saviez pas que vous feriez dans votre vie, que vous n'avez pas imaginé. Et le Seigneur est en train de vous préparer. Peut-être que tu traverses une période où tu vois beaucoup de choses. Et quand tu vois, tu te dis, est-ce que je peux faire ça? Bonsoir Audrey, est-ce que je peux faire ça? Larissa, bonsoir.
tout voile qui a été mis sur ton visage pour te bloquer, que tu ne vois pas. L'ennemi connaît que si tu t'empêches de voir, tu ne pars pas quelque part. S'il bloque ta vision, c'est bon. Pour ceux qui ont jeûné, ceux qui viennent nous rejoindre dans le jeûne, on jeûne tous les mercredis. Je sais que vous avez vu beaucoup de choses qui sont ouvertes dans votre vie aujourd'hui. Que toutes les demandes de prière que vous êtes en train de faire, vous êtes tous soient accordées. J'appelle les bonnes personnes qui vont s'occuper de vous. J'appelle les bonnes personnes qui vont s'occuper de vous. Recevez l'ouverture de vos finances. Je me suis rendu compte aujourd'hui que si l'ennemi attaque ton business, il attaque tes finances. S'il attaque tes finances, c'est fini. Recevez la grâce pour tenir dans votre lieu de prière. Recevez la grâce pour vous séparer de toute personne qui vous a bloqué. Même si c'est ta mère qui t'a accouché. Même si c'est ta mère qui t'a accouché, qui te bloque. Que le Seigneur te montre. Que votre prière ce soit, Seigneur, montre-moi les personnes qui me bloquent. Malheureusement, je me suis rendu compte que le problème de beaucoup de personnes. Goya, bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Le problème de beaucoup de personnes, ce sont les membres de leur famille. Il y a une autre soeur qui vient de me parler de son d'une cliente du Burkina ici là. Elle-même, elle appelle, elle dit que je veux le kit. Que demain, je dépose l'argent, tu m'envoies le kit. Le lendemain, elle me l'appelle, elle dit que ma mère s'est réveillée ce matin, elle m'a dit de ne pas acheter vos produits. Tu as dit à ta mère, non. Ta mère a fait comment pour savoir? Après, elle dit que je sais que ma famille, ce sont les sorciers. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des familles de sorciers. Tu sais que... Il y a les rumeurs dans la famille qui ont toujours circulé que ton père, c'est un sorcier. Ta mère, c'est une sorcière. Et tu t'es toujours dit que ah, tant que je suis en vie, rien n'est plus pire que de vivre une vie d'animal. Une vie de bloqué. Merci, c'est cool. Tu es là, hein? Tu sais que quand j'avais 19 ans, un milliardaire était venu, voulait m'épouser pour m'emmener en Europe. Ma famille a... Après, quand j'ai 25 ans, quelqu'un est venu, voulait me faire mes papiers pour que je parte aux États-Unis. Ma famille a... Après, à 32 ans, j'ai eu... Ma famille a... Tu connais. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu n'avances pas. Je déclare l'exposition de tous ces pans dans votre famille. Parfois, j'écoute vos histoires. J'ai mal pour vous. J'ai mal. Que comment quelqu'un de ta famille peut te bloquer à ce point? Souvent, tu avais ta soeur comme ça. Un de ses amis qui a beaucoup d'argent, elle calculait la personne là depuis. Il arrive, il te voit, tu viens d'arriver dans la ville peut-être pour 2 semaines. Il dit que je veux ta soeur là, je veux ta soeur. Elle connaît que si elle vous connecte, ta vie va changer. Elle refuse. C'est 8 ans plus tard. Quand tu as 5 enfants dans un foyer où on te menace jusqu'à... Le monsieur te voit, il te dit que est-ce que tu sais que je devais t'épouser? Oh, Seigneur!
Que le Seigneur vous montre le visage des gens qui vous ont bloqué. Parce que quand tu vois quelqu'un est bloqué comme ça, là, hein, ça ne sort pas de... C'est toujours qu'à côté de toi que ça sort. Que le Seigneur vous expose les personnes qui vous ont bloqué. On te voit un homme beau qui sera riche. Vous vous aimez. Il vient, il te fait la dot, il fait tout. Il veut être avec toi. Ta soeur, pas derrière. Elle le charme. Elle le charme. Elle le charme. Finalement, un jour, il te dit que fais attention à ta soeur. Parce qu'il sait qu'il couche avec ta soeur. Le jour où tu découvres ça, tu es effondré. Votre foyer d'abord est à terre. Ta vie même. La honte. La douleur. Après ta soeur, elle courait pas voir les parents avant toi. Elle courait pas voir les parents avant toi. Elle explique sa version. Comme c'est une soeur qui manipule d'abord les parents. Il y a les soeurs sorcières. C'est pas que ta soeur pratique, elle ne pratique pas à 15 ans. Mais elle a un esprit sorcier manipulateur. Tout le monde dans la famille fait ce qu'elle veut. Et elle t'a toujours jalousé, tu ne comprends pas pourquoi. C'est même pas comme si tu as quelque chose de plus qu'elle. Quand vous arrivez quelque part, c'est toujours elle qu'on voit. Mais elle ne veut pas que... Elle ne veut pas recevoir 10, toi tu reçois 2. Elle veut recevoir 12. Vous savez qu'il y a des familles comme ça, non? Ta soeur, la même père, même mère, elle veut recevoir 12. Oui. Voilà, que ton ancienne patronne, sa plus jeune soeur, sa petite soeur a pris son mari et les parents ont accepté. C'est bien de voir les histoires des autres et raconter jusqu'à ta part sort. J'ai compris que le plus grand des films, les films là, c'est ton film. Il y a des choses que tu vas découvrir sur toi, que quand tu vas ressentir ça, tu vas dire que Ma prière pour vous, c'est que cette nuit, Dieu vous révèle. Dieu vous révèle ce qu'on a fait pour vous bloquer. Que Dieu vous révèle qui vous a bloqué. Que Dieu vous révèle comment on vous a bloqué. J'enlève le voile de... Donc tu vois le voile de... Tu restes au sens, on te manipule. Tu es sûrement avec un homme comme ça. L'homme te dit que ta soeur te manipule. Tu... Que ta soeur, ce n'est pas bien. Moins de choses. Oui, je voulais te dire que... Combien d'hommes ont gâté votre relation à cause de ta soeur? Que non, c'est la famille, non? C'est la famille, reste la famille. La famille, reste la famille. Je débloque ton argent. L'argent familial que tu étais censé avoir, il y en a parmi vous. Que les parents ou les grands-parents ont laissé l'héritage. Ils ont tout pris. Tu es en Europe là-bas, on t'a dit qu'on n'avait rien laissé pour toi. Alors que la grand-mère avait précisé que donner telle parcelle à ma fille, ma petite-fille, si. On ne t'a rien donné. Et les gens là sont dans ton inbox, chaque jour ils veulent les Western Union encore. Hein. J'expose toutes les personnes qui vous ont bloqué. Que ce soit clair pour vous. Je viens vous déstériliser. Je sais pas, on peut dire ça. Je viens t'immuniser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je te rends insensible à la manipulation de ces personnes. J'appelle à vous les connexions divines. Avant qu'un problème ne se lève dans ta vie, que la solution t'attende la veille. Donc le problème va naître demain à 9h, tu as raconté à la personne de ça aujourd'hui. Dès que ça arrive, tac, tu prends le téléphone. Oui, oui on s'est rencontré hier à l'aéroport là. Oui, est-ce que tu peux... Ah mais oui, 8 minutes. Il y a un degré où
tu n'as plus quelque chose qui te bloque. Il y a un degré où tu n'as plus quelque chose qui te bloque. Ce n'est pas que tu n'as plus les problèmes, mais tu n'es plus bloqué. Je déclare la fin de tes blocages comme tu m'écoutes aujourd'hui. Je déclare la fin de tes blocages. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Seigneur, par cette lumière, ouvre les yeux de tes enfants. Seigneur, par cette lumière, ouvre les yeux de tes enfants. Et les croucha karia ma kotorobo shikara manerebo sondaria basa. Les croso korobo shikere babo sande le rosi ala basande. Les croso ane ala bakona la katela boksande le kakaria basso. Ikona la kakaria ma kosanda la katarabia ala bakosande le rebosika. Les kotorobo boshela manole basande le bossa. Parfois tu restes comme ça, tu dis que je dois prier, ton corps pèse. Je dois prier, ton corps pèse. Tu es sur TikTok, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Au son de ma voix, j'enlève tout esprit dans ton corps qui t'a attaché. Tout esprit dans ton corps qui t'empêche de te lever pour prier. Tout esprit dans ton corps qui t'empêche de te lever pour prier. Tu es là que oui, je connais ce que la femme s'y fait. Je vais acheter. Tu tournes. Tu as touché même 500 000, 1 million. Tu ne fais rien avec l'argent de ça. Oui, je vais apprendre tel produit. Je vais aller sur la tombe de mes parents. Je vais aller nettoyer la tombe. Je vais aller faire le salaka. Je vous ouvre maintenant les voies pour que vous partiez faire ce que vous devez faire pour vous débloquer. Rose, Monica, merci pour les roses. Parfois, tu restes comme ça. Tu rêves, on te montre qui te bloque. Le lendemain, tu restes sur le lit, tu dis que, ah, quand même, ça ne peut pas être elle. La personne t'appelle le matin. Oui, il faut venir, j'ai quelque chose pour toi. Parce que la personne sait qu'on t'a montré dans le rêve déjà. La personne connaît qu'elle a été exposée. J'expose toutes les personnes qui vous veulent du mal. J'expose toutes les personnes qui vous veulent du mal. J'expose toutes les personnes qui ne veulent pas que vos choses avancent. J'expose toutes les personnes qui vous bloquent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe le câble par lequel il te manipulait. Je coupe le câble par lequel il te manipulait. La personne là te cherche, il ne te trouve plus. Caroline, bonjour. La personne te cherche à partir d'aujourd'hui, il ne te trouve plus. Mais quand il appelle, souvent elle décroche. Quand il appelle, elle décroche. Mais pourquoi elle ne décroche plus? Hein? Pourquoi elle ne décroche plus? Je déclare que c'est ça ta portion. Tu es débloqué de la tête aux pieds. Tu es débloqué de la tête aux pieds. Que l'onction du puissant Saint-Esprit marche sur ton corps au son de ma voix. Tu es débloqué au nom puissant de Jésus. Tu donnes au monde que faire. Voilà la personne qui te bloque. Voilà comment ils t'ont bloqué. Le matin, tu es chez la personne en train de manger. Le matin, tu es au téléphone. Hey, j'ai rêvé même de toi. Tu sais. Parce que tu es manipulé. Au son de ma voix, je coupe. Tu étais une marionnette, sienne poupée dans sa maison. Qui l'a utilisé, il ou elle, qui te représente. Qu'on trouve ça aujourd'hui. Que ce soit, on trouve cette poupée. S'il avait enterré ça quelque part, ou l'a lancé dans l'eau, quand on sorte ça de l'eau, on détache. Vous êtes passé à une autre dimension, hein? Vous êtes passé à une autre dimension, oh. Le jeûne d'aujourd'hui était spécial. Dieu est en train de vous donner de nouveaux territoires. Dieu est en train de vous donner accès à de nouveaux territoires. Dieu est en train de vous donner accès à de nouveaux territoires. Dieu est en train de vous faire entrer
dans les endroits qui étaient fermés. Papa, qu'au son de ma voix, l'ange Michael tranche la tête de tout démon qui opère contre les enfants qui m'écoutent, contre tes enfants qui m'écoutent, Seigneur. Tu ne les as pas amenés ici par hasard. Tu ne les as pas amenés ici pour rien. Promotion, lavage, déblocage. Je vous dis que je veux un lavage de déblocage. C'est 10 000 francs. Je ne sais pas, on me dit ça là. Je dois faire ça demain. Tu envoies ta photo et ton nom. Mais lavage d'avant 50 000. Lavage de déblocage, vous envoyez 10 000 francs. Ça, c'est seulement pour vous aider. Lavage de déblocage, 10 000 francs, c'est facile, s'il vous plaît. Si vous avez les enfants, les vacanciers, envoyez leurs photos. Je travaille sur eux. Vous dites seulement lavage, déblocage, promo. 10 000 par personne. Demain à 12 heures, je vais fermer et je vais prendre les gens qui auront envoyé, je vais travailler sur eux. Vous êtes entré dans une dimension où il y avait vos portes. Je vois quelqu'un ici là que tu essaies de te lever. Dès que tu soulèves un peu la tête comme ça, là, on te met en console. Dès que tu soulèves la tête comme ça, on te met en console. Tu es dans des cycles répétitifs. Tu es dans des cycles répétitifs. Tu ne comprends pas. Tu paies les impôts. Tu paies les ceci. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te sens attaché. Tu te sens attaché. Au son de ma voix. Je débloque vos finances. Il y a quelqu'un ici, tu devais avoir déjà au moins 3 maisons. Toutes payées. Tu as commencé tôt. L'ennemi a vu ton élan. Il y a même quelqu'un ici là qui t'a frappé la tête. Tu as eu un choc à la tête. Tu ne réfléchis plus rapidement. Il y a des choses que pour comprendre, tu prends du temps. Tu ne comprends pas. C'est jusqu'à demain, 12 heures. 10 000 francs pour le lavage, déblocage. Oui, seulement lavage, 10 000. Et vous envoyez votre argent. C'est ça le code. Si tu n'as pas le code, là, on ne va pas te recevoir. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Pardon, tu peux mettre le code sur le téléphone. Comme il y a beaucoup de téléphones là. Merci. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 0-7-79-02-52-05. Bonsoir, Erika. Psyché, ne te plains pas que tu as raté la promotion. Hein. Chacun connaît. Peut-être il y a des gens qui prient ici là que depuis qu'on donne la promotion. Ne te dérange même pas. Je suis en train de prier pour vous. Vous me dites que aide-moi. Je fais comment? Je suis en train de prier pour vous. Si tu envoies l'argent pour le couronnement, je ne fais pas les couronnements à 30 000. Le couronnement, c'est 40 et 60 000. 40 000 à distance, 60 000 en présentiel. Donc, quand tu me dis que tu es 30 000, je ne sais pas qui t'a pris l'argent là. Donc, vérifie si c'est à moi que tu as envoyé d'abord. Les numéros sont sur la page. Ton marché ne marche pas. Il faut prendre les produits pour le commerce. Prenez les encens pour le commerce. Et un nouveau produit pour laver le sol du commerce. Je viens ouvrir vos portes. Je déclare sur vous la grâce. Ça dérange? Mm-hmm. Monte un peu, j'appuie au moins deux fois déjà. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas parce que c'est déchargé? Parce que souvent, quand c'est déchargé, oui. Ça ne permet pas la manipulation. Ah. Donc, on va chercher ça un peu. Oui, c'est vrai, en plus. Non, ça va, on va faire ça après. Pardon. Ok. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer.
Partout, moi, je me rappelle très bien de toi. Je sais que tu es dans le nord, non? Le travail spirituel, c'est la persistance. Comme tu te débloques là, il y a les gens qui sont en train de travailler pour te bloquer. Et parfois, quand tu es même, tu te débloques, tu leur dis, que j'ai eu telle chose. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas qui est votre ennemi. Vous ne connaissez pas d'où sort votre blocage. Et très souvent, vous partez vous réjouir avec votre bloqueur. Imagine, tu envoies souvent l'argent à ton bloqueur de partir au village travailler sur toi. Et c'est lui qui te bloque. Tu crois qu'il va faire comment? Hein? Hein? Mais c'est lui le chef bandit. Tu as regardé un film, tu sauves l'enfant, tu lui donnes au chef bandit que pardon, on va le déposer en lieu sûr. Il prend, il peut le tuer une fois. Parce que c'est lui qui bloquait. Beaucoup d'entre vous, vous vivez avec vos bloqueurs. Vous couchez avec vos bloqueurs. Vous avez les enfants avec vos bloqueurs. Vous êtes sorti du ventre de vos bloqueuses. Le sperme de ton bloqueur, là, c'est ça qui t'a enfanté. C'est ton bloqueur que tu appelles maman. Elle m'a élevée, je la prends comme une mère. C'est elle qui te bloque. Tu sais qu'elle parle mes choses, vous croyez toujours que j'ai fumé ou j'ai bu. Vous ne pouvez pas tomber dans le même endroit. Le père de ton enfant là, c'est lui ton bloqueur. Mais ils ont menti. Parce que le tout-ci, tu as été bloqué 20 ans, c'est terminé. Tu as été bloqué 25 ans, c'est terminé. Depuis la naissance, tu as été bloqué, c'est terminé. Je vous ai dit que la promotion du déblocage, c'est 10 000 francs. Vous savez que je ne fais rien à 10 000 chez moi. Je ne fais rien à 10 000 dans mes services. Il me faut le spray là, pardon. Tu as mis où? Mais ne te dérange pas. Je préfère ne pas respirer au lieu d'avoir les gens ici autour de moi. Tu veux lire les livres pour te débloquer? Va lire les livres. Est-ce que lire les livres peut aider? Va lire le livre. Donne-moi, mamie, donne-moi. Là, ils vont venir, ils vont les adresser. Mais... on va te bloquer avec des trucs. Toi, tu peux lire le livre. Hein, chérie? Tu lis le livre. Ça veut dire que tu bois le jus? Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous ayez la sagesse. Tu n'as pas besoin d'aller confronter la personne. La personne remarque seulement que, mais tu m'as appelé tous les jours à 17h pour me parler de ta journée, non? Tu fais 4 mois avant que la personne arrive pour m'envoyer un message. Et ça ne te dérange pas, hein? La promotion finit demain à 12h. J'ouvre vos portes. J'ouvre vos yeux. La promotion, c'est de maintenant 18h38 jusqu'à demain 12h00, heure du Cameroun. Lavage à 10 000. Pardon? Ah, tu regardes tous mes directs. Comment tu connais que j'aime le thé? Wow. Le numéro c'est le 237 693 50 22 66. Pareil au Gabon, vous envoyez avec votre photo. Et le rituel pour couper les liens qu'on vous manipule là, ça c'est 10 600. Lavage, promotion 10 000. Le rituel pour couper les cordes, pour couper les manipulations, 10 600. Le numéro de téléphone 237 693 50 22 66. Et le numéro pour le Gabon, 07 70 074. Ça, c'est le Gabon. 074 18 00 80. Mon numéro ne finit pas par 36. Ce n'est pas ça.
Ça finit pas par 36. Voilà, le charmeur a bien écrit, ça finit par 66. Dans le numéro du Gabon, 074-18-0080. Bruno, je vais t'enlever de mon direct, je vais te bloquer. Comme tu penses que j'ai quelque chose à faire de ta drague. Buveur de jus. Si tu es au Sénégal, tu envoies par Wave en Côte d'Ivoire. 10 000 en euros, c'est 16 euros. 16 euros. Je viens ouvrir vos yeux, que vous puissiez comprendre que le Seigneur vous révèle comment on vous manipulait. Tu sais, la partie que j'aime dans le film, c'est quand tu vois comment. Quand elle m'envoyait les arachides tout le temps. Quand elle m'envoyait souvent le riz. Quand elle s'est préparée, elle m'envoyait. Quand tu découvres comment on te bloquait. Ça, c'est la partie du film que j'aime. Que le Seigneur vous expose les stratégies par lesquelles l'ennemi vous bloquait. Que le Seigneur vous fortifie. J'ai donné le WhatsApp du Cameroun. Si tu payes au Gabon, tu fais la capture, tu envoies au Cameroun. Même comme le numéro là, WhatsApp aussi. $10 000 canadiens, c'est sûrement $25 canadiens ou 30. Envoie 30, c'est toujours bien, non? Ah, elle a dit 25, c'est ça. Mais envoie 30. Vos frais de retrait, là, ce sera parfois beaucoup. Bon. Que le Seigneur vous montre les personnes qui vous bloquaient. Comment t'a envoyé, emmené quelque part pour te bloquer? Si on t'a initié quelque part et tu ne connais même pas, qu'on te montre, recevez la grâce pour vous laver au sel. Comme je parle du sel tous les jours, vous tournez sur le lit. Tu rentres, tu es sur TikTok 3 heures de temps. Après, tu dors, tu te réveilles à 2 heures. Ouf, tu as seulement sursauté. Recevez la force pour vous lever et faire vos prières. Recevez la force. Recevez la grâce, recevez la promptitude, les gens vont vous servir. Tu as besoin d'un service, la personne vient, il fait pour toi. Même si tu le payes, mais il le fait rapidement. On ne vous escroquera plus jamais. Tout argent qui vous appartient, qui est dehors, que cet argent revienne. Si vous avez été victime d'escroquerie, vous savez que c'est récemment que j'ai découvert qu'il y a les gens que ce sont les maîtres escroqueurs. Ils vivent avec un mode de vie ou un rythme de vie. Et ce sont les escroqueries qui leur permettent de maintenir. La personne escroque ici, 15 millions, il part. Ça lui permet de vivre 2 mois, 3 mois. Quand tu arrives, tu le vois, son standing de vie te permet de faire confiance à la personne pour lui donner ton argent. C'est comme ça que tu te retrouves quelque temps avec la personne. Au bout de 6 mois, comme il a appris chez toi pour vivre, ce qu'il a pris chez toi d'aller impressionner quelqu'un d'autre avec. Que par toi, on débloque, on arrête, on est en prison ces escrocs et qu'ils remboursent tout jusqu'au dernier centime au nom de Jésus. Toute personne qui est venue vous nourrir d'espoir, qui est venu pour vous impressionner et prendre votre argent. J'expose ces personnes aujourd'hui. Et que tout argent que vous avez perdu vous soit restauré. Rien n'est plus fatigant que d'avoir ton argent dehors. Rien n'est plus fatigant que d'avoir ton argent dehors. Tu laisses tes choses n'avancent pas. Tu penses à ça, ça te fait mal. Je guéris les douleurs de cette escroquerie. Les douleurs, pourquoi tu restes à 3 heures comme ça, tu veux prier? Tu penses à ton argent dehors, ça te fatigue. Les gens qui escroquent, ce sont les sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. C'est comme quelqu'un qui enceinte, les femmes fuient. Tu passes ton temps à essayer de... Ça devient chronique. Les douleurs ici, telle personne a mal, telle personne a mal, telle personne a mal. 10 ans, tu as fait du mal au moins à 50 personnes. J'enlève cette douleur de votre cœur.
Et je restaure ce que vous avez perdu là-bas. Même si la personne vous rembourse, je déclare que dans les 6 prochains mois, vous aurez cela multiplié par 10 au nom de Jésus-Christ. Parce que l'escroc attaque tes projets. L'escroc attaque, il attaque ta vision. L'escroc attaque tes rêves. L'escroc attaque l'intérieur de toi. La confiance en toi. Toute amertume que cette personne a déposée en toi, tu ne sais même pas que tu es devenu amer. Quand on te parle de, oh, tu vas acheter le terrain, tu vas acheter ceci, tu ne veux plus. Tu vas même ouvrir le business, tu ne veux plus. Je chasse cette douleur de ton cœur aujourd'hui comme tu m'écoutes. Si la personne est en cavale, qu'on l'arrête. Si la personne était n'importe où, qu'on l'attrape au nom de Jésus. Que plus jamais tu ne te fasses aveugler. Qu'aucun fétiche sur cette terre ne t'aveugle plus pour que tu laisses ton argent à quelqu'un. Reçois la force pour partir t'asseoir au commissariat pour faire la procédure. Reçois la force. Reçois la force et les finances. Parce que parfois, pour libérer ton argent, il faut encore l'argent. C'est ça qui fait même encore plus mal. Tu parles, tu demandes 2 millions, on te demande 200 000. Tu dis que je pleure même 2 millions, je fais comment? On dit, oh, il faut encore tel, tel, tel. Je déclare que tu reçois la force. Tu reçois l'argent pour aller débloquer ton argent. Plus jamais on ne va t'escroquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on t'escroque, ce n'est pas qu'on prenne la sueur de ton front. Je commande le retour à l'envoyeur, toute douleur que cette personne t'a envoyée. Il y a des gens qui pratiquent, quand ils prennent votre argent aussi, ils pratiquent. Pourquoi vous ne demandez plus? Je te crains que tu te lèves sur ton argent. L'argent que tu aurais pu acheter au terrain pour tes enfants avec, tu te lèves sur cet argent au nom de Jésus. Tout membre de ta famille qui t'a escroqué et qui t'a attaché jusqu'à ce que tu ne peux même plus parler. Tu ne peux même pas, tu n'oses pas demander, tu n'oses même pas l'exposer dans la famille. J'expose ces personnes une à une et je coupe le rituel pour couper les cordes là. Fais le rituel pour couper les cordes. C'est 10 600. 10 600. Je coupe la manipulation, le cordon qui te reliait. Si c'est ta mère qui te manipule, si c'est ta grand-mère, ton grand-père qui te manipule, à partir d'aujourd'hui, tu es lucide. Tout endroit familial, on a enterré quelque chose. Je vois une maison familiale où ils ont pris une calebasse. On préparait avant. Je vois la cendre là-bas. Et ils ont creusé, ils ont enterré les choses au fond. Donc, à chaque fois que la grand-mère a dit n'importe quoi, dès qu'elle demande quelque chose, tac, tu donnes. Dès que tac, tu donnes. J'envoie l'ange Michael qui sème la pagaille. Qui sème la pagaille dans ce qui a été enterré là-bas. Je déclare maintenant la destruction des hôtels familiaux qui t'attachent. Prononcez le nom du village de votre mère et de votre père. Tout autre village qui est ramifié à ces deux villages que vous allez prononcer. Je déclare que tu es libéré de tout talisman, tout fétiche, toute incantation prononcée là-bas qui t'attache négativement. Parfois, tu restes comme ça là. Tu prends un servant qui vient travailler chez toi. Avec ces petites incantations là, il te bloque. Toi-même, tu ne sais pas. Tout patron ici qui est manipulé par ses employés, quel que soit le rang de cet employé, je coupe. Il n'est que pour le rituel, pour couper les cordes là. Quand vous allez payer pour le rituel, vous allez demander. Prononcez les noms, vous écrivez. Je coupe l'influence que ces employés avaient sur toi. Un employé, quand il dit quelque chose, toi qui fais, tu ne sais même pas pourquoi tu obéis à cet employé. Toute manipulation émotionnelle et spirituelle que vous avez subie, je vous en libère, je déclare que vous êtes lucide. Tu lances ton chantier, le chef chantier vient te manipuler. Pendant que tu construis ta maison, il est en train de construire sa part de maison à côté. Et tu ne sais même pas. Parce que quand il achète un pour toi, il achète un pour lui. Je vous sors de ce voilage dont vous êtes victime. Je vous dévoile maintenant. Je vous dévoile maintenant. Je te dévoile maintenant. Je te dévoile maintenant.
Je te libère des trous dans lesquels ils t'ont déposé. Parfois, tu es simple. Quand un employé vient chez toi, il voit que tu ne fais rien, que tu ne te protèges même pas. C'est pour ça que ce n'est pas tout employé qui doit savoir que je travaille sur toi. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Même si il faut m'envoyer l'argent. S'il faut que tu te lèves toi-même pour aller faire le WhatsApp, va faire. Oh, va envoyer l'argent à tel fait. Quand il va vous, il va connaître. Je vous libère de tout blocage que vous avez reçu. Je libère vos finances au nom de Jésus-Christ. Que l'argent te vienne de tous les côtés. Quand tu penses à un problème, l'argent de ça était dans ton compte hier. Le problème de demain, là, reçois l'argent de ça aujourd'hui. Que ce sera maintenant ça ton témoignage. Quand on avance, ce n'est pas qu'on n'a plus des problèmes, c'est juste qu'on résout nos problèmes plus rapidement. Il y en a parmi vous, vous êtes bloqué quelque part. Tu n'as même pas l'argent pour faire la procédure. Il te faut 2 ans pour accumuler l'argent pour demander les papiers. Alors qu'une autre personne, tu aurais pu avoir l'argent en 1 mois, tu fais les papiers en 1 mois. Tout argent qui allait ralentir ta destinée, qui allait te bloquer quelque part, reçois l'argent de ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Par cette lumière qui brille, mettez la main sur le ventre. Tout enfant que vous avez porté et il vous manipule. Parfois, tu peux accoucher l'enfant, il devient autre chose. Tout enfant que tu as porté, tout ventre duquel toi-même tu es sorti, si ce ventre te manipule, si cet enfant te manipule, par la puissance du Saint-Esprit, je te libère. Je te libère. Tout homme qui a conçu un enfant avec toi ne te manipulera pas. Tout enfant que j'ai porté, et c'est son père qui me manipule, je déclare par la connexion que vous avez avec cet enfant-là, je déclare que tu es débloqué, je déclare que tu es débloqué au nom de Jésus. L'influence de cette personne négativement sur toi est quittée au nom puissant de Jésus. Je te libère. Tu ne vas plus faire, ah, c'est le père de mon enfant, non, tu pars, tu fais, tu t'attaches. Oh, c'est le père de mon enfant, non, tu pars, tu t'attaches. Tu prends, tu dépenses ton argent. Mettez la main sur la tête, je déclare la lucidité mentale sur vous. Tu penses clairement, tu penses rapidement. Je mets l'accélération sur tes idées. Je mets l'accélération sur tes idées. Je mets l'accélération sur tes idées. Il y a des personnes parmi vous que ta soeur t'a connecté à mon ministère. Toi, tu travailles sur toi plus. Et c'est cette soeur-là qui te bloquait. Maintenant, elle va te décourager pour que tu ne fasses plus les produits. Elle va te décourager maintenant. Toute personne de ta famille qui est en train de te décourager ou de te manipuler pour que tu ne travailles pas sur toi. Parce que la personne connaît, il a sa main sur ton blocage. J'expose cette personne. Je te libère des trous que cette personne a creusés pour te mettre dedans. Et quand vous allez voir, il ne faut pas pleurer. Oh, oh, je ne savais pas que c'était elle. Tu as demandé, tu viens de prier. Quand on va te montrer dans le rêve ou on va te montrer demain ou la personne a envie de faire des problèmes demain là, il faut savoir que tu as demandé à voir. Tu as demandé. Ce n'est pas toute vérité qu'on est prêt à te montrer, que tu es prêt à accepter. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui vit, qui règne, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Qui va venir pour juger les vivants et qui va juger les morts. Lui qui nous a délivrés, lui qui nous a créés, lui qui nous a sortis des trous dans lesquels on était, qui a commencé et qui va le finir. Je scelle cette prière que j'ai faite pour vous. Tout ce qui est sorti de votre corps ne rentrera plus. J'expose les démons, les voisins qui vous veulent du mal, là, je les expose. J'anéantis leur puissance sur votre corps. Tout ce qu'on a mis devant ton portail, tu as traversé quand tu es sorti le matin. J'enlève l'influence de cela sur ton corps au nom de Jésus. Le mauvais œil nocturne que tu as reçu. Mauvais œil nocturne là. Les attaques dans le rêve. Je te libère de ces attaques au nom de Jésus. Toute personne qui vient te trouver, la personne ici en Afrique, il te trouve là-bas en Europe pour te faire du mal. Mettez le sel dans les 4 coins de vos maisons. Dans ta chambre, au salon, à la cuisine, à la douche. Vous mettez le sel aux 4 coins. Ceux qui ont les produits, vous prenez le kit maison hantée, vous mettez le sel maison hantée, vous mettez ça. Je vous libère maintenant. Tout ce que vous allez voir, nous détruisons en avance. Si tu découvres quelque chose, si un insecte ou un animal bizarre, tu le tues, tu verses le sel sur lui, tu le brûles.
Donc, j'ai dit que les lavages sont en promotion jusque demain. Donc, c'est pendant 12 heures ou bien, je ne sais pas, 18 heures. Demain à 12 heures, on arrête la promotion. OK? Par PayPal, vous payez par PayPal 17 euros. Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017-2017@gmail.com. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Les numéros sont sur la page. Le numéro pour Abidjan, c'est le 225-07-79-02-52-05. Si tu es au, si tu es au Burkina, tu peux faire le dépôt Wave avec ce numéro. Si tu es au Sénégal, tu peux faire le dépôt Wave avec ce numéro. 225-07-79-02-52-05. Merci pour les compliments, Nabo. Au Cameroun, c'est le 237-693-50-22-66. Au Gabon, c'est le 074-18-00-80. 074-18-00-80. Dirigeant, pour couper les cordes, c'est 10 600. Débloquer, c'est 10 000 francs au lieu de 50 000. Donc, profitez-en. 10 600 pour le rituel, pour couper les cordes, pour vous séparer des manipulations. Couper les cordes, 10 600. Le rituel de lavage, c'est 10 000 francs. Soyez bénis. Merci Ingrid. République centrafricaine, vous pouvez payer au Cameroun. Vous pouvez payer au Cameroun avec le 237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Tu peux payer.